Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Hajime. Aujourd'hui, je te propose une petite routine que tu peux faire tous les matins. Voilà, pour bien démarrer la journée, on va chauffer toutes tes articulations, renforcer aussi la sangle abdominale avec quelques exercices. N'hésite pas à associer cette vidéo à une autre vidéo aussi que je te propose sur la chaîne de Vinyasa avec un peu plus peut-être d'ouverture de hanche, d'ouverture de cœur. Voilà, tu peux l'associer à ce que tu veux ou juste faire cette vidéo, c'est très bien aussi. Tu as juste à prendre un petit tapis de yoga si tu as l'habitude de travailler avec des accessoires, de pratiquer avec des accessoires comme des blocs, des briques, n'hésite pas à prendre. Et une petite bouteille d'eau aussi si tu as besoin. À de suite. Viens te placer dans une posture debout, les pieds parallèles, largeur du bassin, les bras le long du corps. Ici, tranquillement, tu relâches tout et tu viens fermer les yeux. Tu viens placer les paumes de main sur le ventre. Prends une longue inspiration par le nez. Expire, souffle par la bouche. Encore deux fois, inspire, laisse ton ventre se gonfler sous tes mains. Expire, relâche. Une dernière longue inspiration par le nez. Expire, souffle par la bouche. Relâche les bras le long du corps. Inspire. Ouvre tes yeux. Inspire, monte tes bras vers le ciel. Expire, paume de main au milieu de la poitrine. Encore deux fois. Inspire, grandis-toi, étire-toi. Expire, tu descends les paumes de main juste au milieu. Une dernière fois. Inspire, prends l'espace. Expire, les paumes de main au milieu. Parfait. Relâche les bras le long du corps. Paume de main vers l'avant ou relâchez. Les pieds sont bien étendus, les orteils comme des ventouses dans le sol. Tu viens laisser tomber ta tête à droite, puis ta tête au centre. Tu relâches bien ta tête vers le sol, ta tête du côté gauche, vers l'arrière, mais sans casser la nuque. Juste, tu lèves un tout petit peu ton menton sans aller complètement vers l'arrière. Tu reviens du côté droit, au milieu, côté gauche, vers l'arrière doucement. Dernière fois à droite, au milieu, côté gauche, vers l'arrière. On change de sens, gauche, milieu. Côté droit, arrière doucement, gauche, milieu, droit, vers l'arrière, une dernière fois à gauche, au centre, droite, et tu reviens doucement au milieu, la tête droite. On va chercher un petit peu plus d'amplitude dans le corps, on va laisser tomber la tête à droite, et on va amener un tout petit peu plus l'épaule droite. Et on fait une cassure un petit peu au niveau du côté droit ici. Parfait, tu relâches le haut du dos ici vers l'avant avec la tête, c'est juste les épaules qui viennent vers l'avant, le haut du dos qui s'arrondit, du côté gauche, et tu reviens au centre. Même chose de l'autre sens, côté gauche, les épaules, au milieu, côté droit, et tu reviens une dernière fois à droite, juste le haut du corps. Au milieu, c'est juste les épaules et le haut du dos, côté gauche, tu reviens au milieu, dernière fois à gauche, au centre, côté droit. Et tu reviens, parfait, tu plies tes genoux, on va avoir un tout petit peu plus d'amplitude encore. Du côté droit, on descend un peu plus bas, la main descend ici le long du corps. Au milieu, tu arrondis ton dos, tu plies tes genoux, relâche bien tout le haut du corps. Du côté gauche, et au milieu, garde tes genoux pliés, tu reviens, côté gauche, vers le milieu. Le côté droit, tu reviens au milieu, dos droit. Parfait. Si tu as envie de chercher un tout petit peu plus d'amplitude vers l'arrière, fais bien attention à ne pas cambrer ton dos, à serrer le centre du corps ici pour protéger. Du côté droit, on revient. Au milieu, tu relâches la tête, les bras, le dos. Côté gauche, un tout petit peu vers l'arrière comme une arche si tu veux. Côté gauche, milieu, côté droit. Et tu reviens au centre, tu tends tes jambes. Une dernière fois, un tout petit peu plus grand. Plie tes genoux, tu viens descendre un peu plus bas. Vers le centre, les mains descendent à peu près devant tes tibias. Le côté gauche, tu ouvres le côté. Et vers l'arrière, tu tends tes jambes, tu ouvres ton cœur vers le ciel. Plie tes genoux du côté gauche, descends. Au milieu, un peu plus bas. Du côté droit, ça réveille vraiment le dos, tout le corps. Et tu reviens au centre dans une arche. Dernière fois, côté droit. Au centre. Côté gauche. Au milieu. Dernière fois, à gauche. Au milieu. Au côté droit, et tu reviens au milieu. Ok, super, c'est bien. Inspire, tu montes tes bras vers le ciel, ça passe devant toi, ça passe vers l'arrière et tu ouvres. Encore, inspire, tu montes. Expire, ouvre dans tes épaules, fais le maximum d'espace. Une dernière fois, inspire et tire. Et expire, tu ouvres. Ok, super. Tu vas enrouler ta tête en premier, puis le haut du dos, le milieu du dos,
Tu plies tes genoux pour arrondir ton bas du dos, tu rentres ton bassin et doucement tu redéroules jusqu'en bas. Parfait, tu alternes ta jambe droite, puis ta jambe gauche pliée et tendue. Tu peux mettre tes mains sur tes tibias ou tes chevilles. En plus, c'est le matin, souvent on est raide à l'arrière des jambes. Donc n'hésite pas à placer tes mains sur un bloc ou peut-être sur toi. Parfait, tu replies tes genoux et doucement tu redéroules la tête en dernier, vertèbre après vertèbre. Essaye vraiment de détailler bien ta colonne vertébrale pour encore plus l'échauffer. Une dernière fois la tête, les épaules au haut du dos. Tu plies tes genoux et doucement on arrive jusqu'en bas. Ok, super. Alterne une dernière fois ta jambe droite et ta jambe gauche pliée et tendue. Respire ici un peu plus. Dernière fois, inspire par le nez. Et tu expires. Ok, super, plie tes deux genoux. Tu places tes mains sur le sol et tu déposes tes deux genoux. Ouvre tes genoux, largeur du tapis, les pieds sont collés. Viens t'asseoir sur tes talons et relâche le haut du corps en posture de l'enfant. Tu respires ici, laisse vraiment le bout des doigts avancer au maximum vers l'avant du tapis. On continue de respirer une dernière fois. Inspire par le nez. Expire, souffle. Place tes mains devant tes genoux et doucement tu déroules ta colonne vertèbre après vertèbre et tête en dernier. Tu refermes tes deux genoux. Ici, tu inspires, tu montes tes bras vers le ciel. Les paumes de main vers l'avant, tu descends tes bras parallèles au sol. Les paumes de main vers le ciel, les mains flexent. La main gauche vient appuyer sur le bout des doigts de ta main droite pour accentuer ici l'étirement dans tes doigts, dans ton poignet, dans ton avant-bras. Ok, respire ici. Dernière fois, inspire par le nez. Expire de l'autre côté, la paume de main flex vers toi. Ça étire plutôt sur le dessus du poignet et de l'avant-bras toujours. Dernière inspiration. Et de l'autre côté, main flex à gauche, la main droite qui attrape ici les doigts et qui ouvre l'intérieur du bras. Même chose dans l'autre sens, la paume de main vers toi et tu ouvres. Le dessus du bras plutôt. Dernière fois, inspire. Expire, tu secoues un petit peu tes mains. Ok, super. Tu vas directement placer tes paumes de main devant toi dans une posture à quatre pattes, les épaules au-dessus des poignets, hanches au-dessus des genoux. À l'inspiration, tu creuses le dos, tu ouvres la poitrine, regarde vers le ciel, engage le centre du corps. Expire, t'arrondis ton dos, vas-y délicatement, rentre la tête, aspire le nombril. Encore deux fois, inspire, creuse et ouvre. Expire, tu arrondis. C'est fluide et léger, une dernière fois, inspire. Expire, tu arrondis. Tu reviens le dos droit, le dos neutre. Tu tends tes deux jambes en planche, épaules au-dessus des poignets. Inspire, ton genou droit sur le sol et tu tends ta jambe droite. Inspire, genou gauche qui touche le sol et tu tends. Inspire à droite, tu retends, inspire à gauche. Tu retends, inspire les deux. Tu retends, inspire les deux. Et tu retends, tu restes, tu repousses tes fesses vers le ciel, chien tête en bas. Tu pousses au maximum dans tes mains. Les mains sont parallèles, largeur des épaules, les pieds sont parallèles, largeur des hanches. La distance entre les mains et les pieds, c'est une planche. N'hésite pas à te replacer en planche ici et tu reviens. Alterne ici tranquillement de droite à gauche, détends toujours l'arrière des jambes. Prends le temps ici de réveiller tout ton corps progressivement. On a un peu plus fait chauffer dans le centre du corps. Dernière inspiration par le nez et tu expires. Parfait, tu viens lever tes talons ici, pousse au maximum, écrase bien dans tes orteils. Tu viens plier tes genoux et regarder entre tes mains. T'avances tes pieds parallèles, largeur du bassin. Ok, super. Tu relâches ta tête et tu viens attraper tes coudes par-dessus ta tête, vraiment par-dessus ici. Et tu balances de droite à gauche ici le haut du corps. On continue de réveiller le corps, de le réchauffer. Dernière fois, inspire. Et tu viens reposer tes mains sur le sol. Tu tends ta jambe droite le plus loin possible derrière toi. Tu déposes ton genou droit sur le sol. Prends appui avec tes mains sur ton genou gauche et tu rentres ton bassin vers l'intérieur pour sentir l'étirement sur le devant de ta cuisse droite. Ouvre ta poitrine, détends bien tes épaules. Peut-être ferme tes yeux quelques secondes. Dernière fois, inspire. Et tu expires. Parfait, tu poses ta main droite sur le sol à côté de ton pied gauche. Tends ta jambe droite et déroule ton bras gauche vers le ciel. On continue ici de faire twister un peu plus dans la colonne vertébrale. Inspire et t'expire.
Bien, tu redéposes ta main gauche sur le sol, tu plies ton genou droit et tu viens ravancer ton pied droit à l'avant du tapis. Tu recules ta jambe gauche vers l'arrière, tu déposes ton genou gauche et les deux mains viennent sur le genou droit. Rentre bien ton bassin vers l'intérieur. Grandis-toi, tu peux aspirer un peu plus le nombril. Détends tes épaules et respire. Serre bien tes fesses vers l'intérieur un peu plus, une dernière inspiration par le nez. Expire, souffle par la bouche. Pose ta main gauche à côté de ton pied droit, tends ta jambe gauche et déroule ton bras droit vers le ciel. Pousse bien dans ta main gauche et tire jusqu'au bout des doigts de ta main droite. Une dernière fois, inspire et t'expire. Redépose tes deux mains sur le sol, tu ravances ton pied gauche à l'avant du tapis, mais tu colles tes deux pieds ensemble. Tu plies tes genoux et doucement tu viens t'asseoir. Contrôle ici la descente. On ouvre les genoux vers l'extérieur, les pieds ensemble. Tu viens entrecroiser les doigts sous tes pieds, t'inspires, tu te grandis. À l'expiration, tu essaies de te pencher vers l'avant, tu déroules ta colonne et directement tu redéroules ta colonne, la tête en dernier. Encore deux fois, inspire, descends. Expire, tu redéroules. Dernière fois, inspire, ouvre ta poitrine, relâche ta tête. Expire, tu redéroules. Ok, super. Tu te remets en tailleur avec ton pied droit devant cette fois-ci. Pied droit devant. Replace tes paumes de main sur ton ventre. Inspire, laisse ton ventre se gonfler. Expire, relâche. Encore, inspire. Expire. Dernière fois, inspire par le nez. Expire, souffle. Ouvre tes yeux. Inspire, monte tes bras vers le ciel. Tu ouvres ton épaule droite. Le bout des doigts, ta main droite derrière toi, la main gauche sur le genou droit. Inspire, étire le dos. Expire, tu ouvres ton épaule droite, tu twistes le haut du corps. Vas-y tranquillement, c'est une torsion légère ici. Encore deux fois, inspire, étire. Expire, tu ouvres. Dernière fois, inspire par le nez. Expire. Reviens au milieu et doucement, tu relâches le haut du corps vers l'avant. Relâche la tête, les bras, le dos. Laisse-toi complètement aller ici et sens l'étirement à l'extérieur de ta cuisse droite, fesse droite. Et essaie de garder bien tes deux fesses à plat sur le sol. Dernière fois, inspire. Super, tu reprends un appui sur tes mains pour dérouler ta colonne jusqu'en haut. Et cette fois-ci, tu replaces ton pied gauche devant. Inspire, monte tes bras vers le ciel. Tu ouvres ton épaule gauche. Viens poser ta main gauche derrière toi, ta main droite sur le genou gauche. Inspire, étire le dos. Expire, tu twistes légèrement, tu ouvres ton épaule gauche. Encore deux fois, inspire. Expire, tu twistes. Dernière fois, inspire par le nez. Et tu expires. Doucement, tu reviens au milieu. Parfait, inspire, grandis-toi. Expire, tu relâches le haut du corps vers l'avant, relâche la tête, les bras, le dos. On a le pied gauche cette fois-ci devant. Les deux fesses toujours à plat sur le sol, la tête qui se détend. Dernière inspiration par le nez. Et t'expires. Reprends appui sur tes mains, déroule ton dos jusqu'en haut. Tu replaces tes paumes de main devant toi, tu vas lever ton bassin ici pour dérouler tes deux jambes. Une dernière fois, tu te places en planche, épaule au-dessus des poignets. Tu restes ici, tu presses bien dans tes mains, engage le centre du corps. Tu vas passer sur le bord externe du pied droit, donc le pied gauche sur le pied droit. On est sur le bord externe du pied. Tu déroules ton bras gauche vers le ciel le plus haut possible. Planche latérale, pose dans ta main droite, inspire. Expire, tu poses ta main gauche, on change de côté sur le bord externe du pied gauche. Bras droit vers le ciel, monte tes fesses ici. Une dernière fois, inspire. Tu redéposes ta main droite, dernière fois du côté droit. Bras gauche vers le ciel, peut-être essaie de décoller ton pied gauche. Reste 4, reste 3, reste 2. Tu redéposes, main gauche sur le sol, bras droit vers le ciel, pousse tes fesses vers le ciel. Et peut-être décolle ton pied droit, reste 4, reste 3. Reste 2, on redépose, tu restes ici, tu plies tes genoux, tu regardes entre tes mains et tu avances tes deux pieds à l'avant du tapis. Les pieds sont parallèles à la largeur du bassin, tu viens entrecroiser les doigts dans ton dos, inspire, allonge tes bras et descends les bras vers l'avant. Essaie de garder tes genoux pliés ici, de plaquer ton ventre contre tes cuisses. Dernière inspiration. Et expire, tu relâches tes mains vers le sol. Tranquillement, tu déroules, vertèbre après vertèbre et tête en dernier jusqu'en haut. Quand t'arrives, inspire, monte tes bras vers le ciel. Colle tes paumes de main et descends tes mains au milieu de la poitrine. Ferme tes yeux, inspire.
Expire, souffle. Dernière fois, inspire. Expire, ouvre les yeux. Merci beaucoup. J'espère que cette petite vidéo pour démarrer ta journée t'a plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à les laisser en commentaire ou à m'envoyer un petit message privé aussi sur Instagram. À très vite. Merci. Bonne journée.